Bienvenue dans cette canalisation inspirée par moi, Jade, de Nuit de Créativité. Il y a beaucoup de déesses qui veulent canaliser. Je crois beaucoup au pouvoir des déesses et de l'archétype de sa propre essence, d'aller à son plein potentiel, de vivre aligné avec son soi supérieur, son higher self. Et la canalisation de la semaine 30 juin 2020. Je le dis comme ceci. Je le dis comme cela. Nous sommes un cercle de déesses. Nous sommes un cercle de paix, de féminin. La gloire du féminin s'en vient. La gloire de l'amour s'en vient. La gloire du bercement. Le nectar sacré que le colibri, que les colibris puisent. Tel est votre nectar sacré. Vous êtes un. Et quand vous laissez tomber le côté mental, et quand vous laissez tomber le monde de papier, vous devenez qu'un. Le 10 de coupe est apparu pour Jade. Le soleil est apparu. Tel des fées oniriques. Voilà. Puisez le nectar de votre essence et le monde est déjà présence, est déjà là. La beauté est déjà là. Gratitude, mais pas une fausse gratitude, un état d'esprit de miracle, un état d'esprit d'accomplissement. Un état d'esprit de bien-être, car vous l'êtes et vous êtes capable d'aller le chercher. Nous, les déesses, je pense à Marie, Isis, la mère. Nous, les déesses. Plus en plus de femmes s'éveillent en ce monde. Plus en plus de femmes font des business en ligne avec leur âme. Et c'est un grand pas pour l'humanité. C'est un grand pas pour vous. Laissez-vous être, laissez-vous danser, laissez-vous être dans la joie, sans perfectionnisme, sans méthode, car vous êtes un. Je ne veux pas dire sans méthode, mais ne mettez pas de l'accent sur le mental encore. On essaye de faire des choses dans le féminin sacré par la méthode, par le vieux paradigme. Et ça ne marche pas, car il faut aller dans le fond, dans les profondeurs du féminin sacré, dans les profondeurs de la créativité, de la joie, de l'intangible, pour réellement toucher l'essence. Touchez le nectar. Bénissez-vous, femmes. Arrêtez de vous jeter des mauvaises intentions ou des sorts pour avoir l'homme dans la cour. Non. Faites grandir la petite sœur sans la mettre inférieure. Est-ce que vous êtes capable de ça, les femmes? Est-ce que vous êtes capable de co-créer? Est-ce que vous êtes capable d'être en unité? Est-ce que vous êtes capable de surfer sur une vague d'amour? Oui, les femmes, je vous appelle. C'est votre tour. C'est votre tour d'être grande. C'est votre tour d'être reine. C'est votre tour d'être déesse. C'est votre tour d'être magicienne. N'ayez pas peur des mots. N'ayez pas peur de votre profondeur. Plongez dedans. En n'en plus finir pour aller voir sur une vague. De tes rêves,
de ta vie, de tes désirs. Une vague d'opportunités magiques et vraiment belle. En ce moment, cette semaine, ça va être le grand soleil. Ça va être la roue qui tourne. Tous les mauvais karmas, les mauvaises choses, les mauvais sorts qui vous étiez attachés ne sont plus. Vous êtes libre de prendre votre planche puis surfer sur la vague de la vie. Voyez comme la vie comme un océan avec des surfs. Chaque vague est une ligne de vie. Prenez votre chauve et allez sur une vague de vie. La vague de vie, vous voyez, vous visualisez avec moi. Vous visualisez la vie que vous voulez. Prenez cette vague et alignez-la sur la vague de vie. Dans cet espace quantique-là, nous allons accomplir quelque chose de magique tout ensemble. On va prendre notre surf. On va aller sur cette vague-là, rose. Cette vague cosmique, cette vague quantique, cette vague de transformation, cette vague de vie. Nous allons la suivre vers le plus haut potentiel. On s'enligne tout ensemble, on se connecte à notre archétype sacré, à notre âme. Et on prend cette plante de cheveux et on y va. On y va petit à petit. Et là, on prend une vague. Oh non, c'était pas celle-là. Celle que tu veux vraiment aligner. Visualise ta vie, go. Go, visualise comment tu te vois dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et prends ce surf. Et vas-y. T'es aligné. Tu le vois. Là, suis les événements dans ta tête. Suis les événements. Suis les images qui se succèdent lentement, rapidement. Je le sais pas. Mais on y va à fond, les amis. On y va à fond, les déesses. On y va à fond, les magiciennes. Car, aligné avec son âme, on s'en va vers cette vague-là. Je vous laisse sur une petite chanson. Oh, I'll find.